Sarah. Eva. Timothée. Baptiste. Romain. Elsa. Jeanne. Oscar. Jeanne Caron. Mathilde. Marina.
Donc Jeanne. Nathan. Alexandre. Frères et sœurs, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi proclamons notre volonté de mourir au péché afin de pouvoir vivre avec le Christ. Vous tous ici rassemblés, vous allez répondre par nous le voulons. Vous tous ici rassemblés, voulez-vous vous aider à ne pas être égoïste, mais au contraire à être au service des autres comme le Christ l'a été? Voulez-vous aider à ne pas être orgueilleux, mais à être accueillant aux autres et surtout aux plus faibles? Voulez-vous vous aider à ne pas vivre uniquement pour l'argent, pour le succès personnel, mais dans le souci d'une grande justice pour tous? Dieu nous a choisis. Il nous fait confiance, mais il ne nous laisse pas seuls. Il nous accompagne par des chrétiens, son Église. C'est avec eux, rassemblés en Église, que nous pouvons découvrir Dieu. Pour la plupart d'entre vous, lorsque vous étiez petits, vos parents ont répondu pour vous à l'appel de Jésus en vous faisant baptiser. Aujourd'hui, après avoir entendu la parole de Jésus, vous allez à votre tour répondre à la confiance du Christ en proclamant votre foi en Dieu. Nous croyons en Dieu qui
aime tous les hommes, même s'ils sont pécheurs, nous désirons entrer en alliance avec lui. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est l'envoyé de Dieu. C'est la foi de toute l'Église qui soutient la foi des enfants et qui lui donne son sens et sa vigueur. C'est pourquoi, en écho à la profession de foi des enfants, nous allons proclamer la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé.